Je viens du cimetière de Bournonville, où je suis allé m'incliner sur la tombe de mon arrière-arrière-arrière-grand-père Jean-Pierre Briche et la tombe de mon arrière-arrière-grand-père Pierre-Ambroise Briche. Arrière-grand-père Louis-Victor Basile Briche, né en 1857 et décédé en 1895 d'un accident de voiture à cheval dans la forêt de Dèvres. Il était fermier et herbager, ainsi que maire du village de Crémarais. Dans la même tombe, à Crémarais, repose également mon grand-père, Georges Basile Briche, 1896-1965, chevalier de la Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre avec palme, croix du combattant. Sur la place de Dèvres, nous trouvons des traces d'un de nos ancêtres les plus éloignés, Jean Briche à la Croix-Blanche, devenu aujourd'hui le restaurant de l'agriculture. Ils ont refait toute la façade, non ? Oui. En noir. Oui, certainement.
prenons la direction de Boulogne et Wimereux, où nous allons passer 3-4 jours.